Le taux d'inflation annuel en zone euro s'est établi à 0,4% en septembre contre 0,2% en août, a confirmé Eurostat ce lundi. C'est la plus forte accélération depuis octobre 2014. Elle s'explique surtout par la hausse des prix de la restauration, des loyers et des cigarettes. En revanche, l'essence et le gaz ont eu de gros impacts à la baisse. Le prix de l'énergie a certes augmenté d'1% entre août et septembre, mais il reste en repli de 3% sur l'année. La hausse des prix reste bien en dessous de l'objectif de la BCE d'une inflation autour de 2%.